Une victoire après une vaste période de disette et on oublie tout, ou presque. Aubameyang, auteur d'un but et d'une passe décisive, n'est plus critiqué, mais encensé. Quel joueur a le mieux joué là ? Aubameyang, Aubameyang. 3-0, que demande le peuple ? Il fait beau, on peut aller à la plage allez maintenant, moi. Sereinement aussi. Et allez loin, aussi. Sincèrement, on les a tués. On est venus, on n'est pas déçus. Eux, ils vont repartir en pleurant en tout cas. Pas ouais. Elle a joué extra bien. Paul Lopez, il a bien joué. Le but de... Le 3-0, le but de Sarr, il était magnifique. Nickel, belle victoire, 3-0 là. En plus avec les enfants là, c'est parfait. Ça fait plaisir, on retrouve enfin l'équipe qu'on vient voir ici. Content du premier but d'Aubameyang. Et même Ismaïl Assar, ça va lui faire du bien. Ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien, on repart avec les 3 points et c'est le principal. Daphné, est-ce que tu t'es régalé ? Est-ce qu'ils ont oui, bien joué les joueurs ? Pour la première fois, oui. Ah, pour la première fois, oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait plus gagné. Hein. Voilà, non, c'était un très beau match. Ils nous ont fait plaisir aujourd'hui, allez l'OM. Mais on n'oublie pas, le reste. Hein. Ça réconcilie un petit peu après, sans faire offense au Havre. Voilà, c'est pas le club qu'on attendait en tout cas pour faire nos preuves. Mais ça, on va dire oui, ça nous réconcilie par rapport au match de Brighton. On va dire qu'on va retenir les buts. Hein. Je pense que l'équipe n'est pas encore complètement en place. Ouais, mais on commence déjà à voir un petit peu la patte de l'entraîneur. Au niveau offensif, c'est déjà un petit peu de mieux. Mais défensivement, c'est pas encore trop ça. On va espérer reprendre enfin la saison avec un entraîneur qui va rester longtemps, on espère. Un petit peu plus que Marcelino. Ce que je vais vous dire, donc, il faut juste donner un peu de chance à Gattuso. S'ils arrivent à donner un peu de chance à Gattuso, Marseille deviendra meilleure équipe du monde. On ne s'emballe pas, mais la victoire fait plaisir.